DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba Congo. La fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Oh yeah yeah. Bien, merci à tous. Bonjour. Bienvenue à cet élément de la communication politique et des analyses de l'actualité politique, économique en République démocratique du Congo. Nous sommes toujours là pour vous informer, pour vous donner de la lumière sur tout ce qui se passe dans la scène politique et de vous aider à comprendre réellement de quoi s'agit-il. Quelque part, nous sommes comme des éclairés, nous sommes comme les gens qui donnent la lumière dans ce qui se passe dans la politique. Je ne suis pas journaliste, je suis communicateur, mais également je suis combattant de l'IDPS, je suis également assistant d'université dans le domaine de l'environnement. D'ailleurs, bientôt là, je vais reprendre avec mes cours au niveau de l'université où nous accompagnons quand même les chefs de l'État, non seulement sur le plan de la communication dans sa lutte qu'il a contre le terrorisme du M23, mais également de la politique de M. Kagame. Mais nous accompagnons aussi le pays dans le domaine de l'éducation universitaire ou de l'enseignement universitaire. Alors, c'est toujours un grand plaisir. Je vous souhaite d'abord bon début de semaine à tous. Vous tous qui nous suivez depuis les États-Unis d'Amérique, le pays de Donald Trump, le pays notamment de Emmanuel Macron. Là, nous sommes en France. Je salue également les Congolais qui sont en Espagne, qui sont dans la ville de Barcelone. Hier, nous avons perdu devant l'Atlético Bilbao. Je crois que ça ne sera pas la fin, notamment du championnat. Le Barça a perdu. C'est tout à fait normal. Balé et Zalaka Bongo. Les lobes ont gagné, lobby vont perdre. Et nous passons que le championnat encore long. Et Togozo a peut-être Liga Oye. Alors, des sujets sur notre table ici. Des sujets, on nous parle de quoi? Les États-Unis d'Amérique demandent au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais. Les États-Unis d'Amérique demandent à M. Paul Kagame, au régime de Kigali, de retirer ses troupes sur le sol congolais. Ça commence un peu très chaud avec Donald Trump. Alors, deuxième sujet, nous allons aussi parler notamment de ce qui se passe, je crois qu'en dehors de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, en dehors de notre premier sujet, il y a d'autres sujets que nous allons aborder. Mais d'abord, j'aimerais assez que tout évolue dans notre premier sujet Nabiso. Ndetokokota, na deuxième sujet Nabiso. Oyo, je pense que ça sera toujours de la manière, comme vous le savez. Le président de la République refuse l'accréditation de l'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo sous prétexte du soutien de William Ruto à la politique de M. Kagame de chercher à piller les ressources de la République démocratique du Congo. Voilà, ce sont là les deux sujets Oyo Tokomekampeko Solana Bino pendant notre communication. Mesdames et messieurs, je vous souhaite tous une bonne écoute, notamment de cette communication Oyo Tokomekampeko analyser avec vous ce qui se passe dans la politique de la République démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique de Donald Trump demande à M. Kagame de retirer ses troupes, sur le sol de la République démocratique du Congo. Les gens pensant que Donald Trump est arrivé à la tête des États-Unis, alors ça serait alors ce qu'on appelle comme une vaste blague. Les gens pensant que Donald Trump est arrivé à la tête des États-Unis, c'est au fait pour faire la continuité de la politique de Joe Biden. Et là, Donald Trump passe à la vitesse supérieure. Il dit toutes les hostilités. Makambu nyo seza ko le kanana est ya Congo. Makambu ya nyamu nyamu. Makambu ya pito pale.
makambu ya bo joba, makambu ya bo lema, makambu ya kili kili, makambu ya mbindo, ya salite, oyo Kagame azako sala mabele ya Congo, Donald Trump a sali communiqué. Les États-Unis d'Amérique, à travers les départements d'État américains, basengi na Mese Kagame a retiré ba troupe na ye na est na Lombangu. Chers compatriotes, awa siko tozo kende na vitesse supérieure. Awa siko yo tozo kende siko na Rwanda o ba lobaka nzoto na nzoto. Voilà pourquoi je nous l'avais dit une fois ici. Na yebisa kabino que politique ya Tshisekedi ezali politique ya Kongoli. Ndenge baloba na lingala na ngongolo. Ezali politique ya Mobembe. Mobembe ya kambangu te. Mobembe ya kaka malembe malembe. Ngongolo atamula malamu te. Ngongolo, webi ngongolo, Max KBC. Ngongolo ezani na français Max KBC. Si l'un des abonnés, parce que bino bolinga to sala émission ya lingala. Alors lelo na okene na bino kana système ya mboka, système ya bakanza, système ya longangé. Ngongolo politique ya ngongolo, ne oyo Tshisekedi azo sala ngo mikolo yo. Politique ya Mobembe. Cher abonné, so webi signification ya Mobembe, webi signification ya ngongolo. Alors komela biso na commentaire to ko sepela nango. États-Unis a sengi Mese Kagame alongo la basoda na ye na Congo. Trump a lobi akoki ko banda ko jirete na ba probleme belé na mutu na ye na na kati ya États-Unis. Trump a lobi esengela avant banda ko jere la politique internationale, la politique étrangère ya États-Unis depuis Trump a ye a bandi na nou na Congo. Trump a bandi na no ko tranché na no dossier o ezali ya République démocratique du Congo. Ayebi si conseiller na ye amateur ou alors conseiller à affaires étrangères na ye ya politique étrangère ayebi si bimisa dossier oyo ezali na tiroir ya makambo ya République démocratique du Congo to tranché yango. Trump a tiki dossier ya Liban. Trump a tiki dossier ya Arménie. Trump a tiki dossier ya Afghanistan. Trump a tiki dossier ya Mali. A tiki dossier Afrique du Sud. A tiki dossier aux Ezali ya Chine. Trump a tiki dossier ya Mexique. Trump a tiki dossier ya Ukraine. Trump a yé directement na dossier ya République démocratique du Congo. A bengi koutou Jean Laurent Sauté. A tout ni te processus ya Luanda ezandengenini. Trump a yé directement a sengiba pesa yé dossier ya République démocratique du Congo. Mais pourquoi Trump a sengiba sengaye ba pesa yé politique dossier ya République démocratique du Congo? Mbongo o États-Unis a tiaka pour la soutenir la MONUSCO ezambongo ebele. Mbongo o États-Unis za kotia pour la sécurité na est ko pesa ba casque blé ko futa bango ko lia na bango chaque jour transport na bango misolo na bango salaire na bango o bintu keita za kozwa o secrétaire d'état américain secrétaire d'état secrétaire ya Nations Unies Antonio Guterres aza kozwa pona kuluka kusili sa makambo etali insécurité na est. Trump a lobi mbongo wana eza ebele. En dehors de cela, la guerre ozo le kana est ba multinational américain bazali kutia mbongo ebele ko pesa Kagame. Mbongo wana tango baza ko pesa ye eza ko mona nate, eza ko mona nate. Alors Trump avance wa bokunzi a sala ki contact na ba multinational américain. Ba échanger, ba talisier, o bango baza ko tia sima ya Kagame, na o baza ko gagner, ba moné ki baza ko perdre.
Et c'est comme ça, Trump a promis que d'un qui a recommandé la Bokonzi, à quatre politiques. Il y a un moment, les États-Unis d'Amérique, il y a que Kagame, il faut le monde là-bas, soda na yena Congo. Donc, il y a un processus à Luanda. Hein, Max KBC. Nous avons été récits par l'ambassadeur, par le ministre des Affaires extérieures du Luanda ou d'Angola. Ministre des Affaires étrangères, il y a Angola. C'est lui qui était le médiateur à ce que représentait Joao Lourenço. Kotoyo, ministre des Affaires étrangères, il y a la République démocratique du Congo. Kotoyo, ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda. Basololi. Bayo Kanike, et c'est tout ça, la plan, il y a neutralisation, il y a Nini, il y a Afdeler. Tout ça, la plan, il y a neutralisation, il y a neutraliser les Af, non, non, les Afdeler, voilà. J'ai confondu ça dans Afdel. Les Afdeler. Congo a le bien que, bisopé, topé, sabino plan, il y a neutralisé, banani, il y a M23. Bayo Kani, bandimi, fond. Et comme il va appliquer Yango, Rwanda Wangani Yango à travers ministre des Affaires étrangères. Ministre Oyo, Ayaki na Goma. Ministre Oyo, Ayaki na Goma. Ici, je ne veux pas appuyer ce que l'honorable président Vital Kamerhe a dit à l'Assemblée nationale de demander à la première ministre Judith Toulouka, qui est de notre parti politique de l'IDPS. Que le président a dit qu'il était indigné. Est-ce que le président Vital Kamerhe est en train de combattre Tshisekedi discrètement en demandant et en dénonçant ce qui s'est passé à Goma? Mais moi, Maraboubola, je pense que tout en étant combattant de l'IDPS, combattant des antivalets, tout en étant l'accompagnateur de la vision du chef de l'État dans sa politique de pacifier l'Est République démocratique du Congo, je pense que le gouverneur militaire Chirimwami, qui a présenté la garde à vous, qui est en train de présenter les honneurs en accueillant les ministres des Affaires étrangères du Rwanda sur les sols congolais dans la ville martyre de Goma. C'est le même ministre qui est en train de faire le coq à jambes afin que le processus de Luanda ne puisse pas être appliqué. C'est le même ministre qui a remis en cause et qui a même dénoncé en niant que le Rwanda n'a jamais signé les protocoles d'accord ou les accords sur le retrait des militaires du M23 sur le sol congolais. Ceci voudrait dire que le Rwanda insiste que ces militaires puissent continuer à piller, à violer et à violer même les principes des droits de l'homme sur le sol congolais. Mais regarde ces ministres. Ce ministre des Affaires étrangères est accueilli par le gouverneur militaire. Le gouverneur Chirimwami qui accueille avec honneur celui qu'on appelle le ministre des Affaires étrangères rwandais sur le sol congolais. Est-ce que ceci interprète ou ceci voudrait dire tout simplement que Chirimwami, avec l'inspecteur provincial de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, sont en train de préparer déjà un chemin pour accueillir les M23 à Goma afin d'amorcer les dialogues avec les M23? Est-ce que Chirimwami ne comprend pas du tout la politique de Tshisekedi qui ne veut pas à tout prix dialoguer avec les M23? Parce que ce n'est pas les M23 qui nous agressent, c'est plutôt les Rwanda qui nous agressent. Parce qu'en réalité, les M23 n'existent pas. C'est les Rwanda qui est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Mais le fait, pour Chirimwami, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'interpeller Chirimwami ici à Kinshasa afin de donner les explications pourquoi il a accueilli en honneur le ministre des Affaires étrangères sur la ville martyre de Goma?
UDPS, nous, nous sommes au pouvoir. Nous, nous avons dit que nous allons combattre les antivalets. Et parmi ces antivalets, entre autres, c'est l'agression rwandaise. C'est le terrorisme du M23. Mais comment le gouverneur militaire va aller accueillir le ministre des Affaires étrangères avec honneur, avec l'inspecteur provincial de la police? Tozo Senga, gouverneur militaire, aïe na Kinshasa, aïe a coupé sa explication. Un pays qui nous agresse et on accueille le ministre des Affaires étrangères de ce pays avec honneur. La Russie qui est en train de combattre l'Ukraine, est-ce qu'un ministre russe, une fois qu'il peut se rendre au niveau de l'Ukraine, est-ce que le gouvernement ukrainien peut disposer un accueil chaleureux et avec honneur, avec tous les respects de dispositions protocolaires? Est-ce que l'Ukraine peut faire ça? Non. Israël qui est en train de combattre les Palestiniens, les Palestiniens peuvent accepter que une autorité israélite puisse se rendre au niveau du Palestine ou à la Palestine et être accueillie en honneur comme Shirmov, le gouverneur militaire, notamment du Nord, qui avait accueilli ce ministre d'affaires étrangères. Tosengi, gouverneur militaire, aya na kisasa. Aya coupé sa explication. Parce que Bissot, toujours accompagné chef de l'État, Tongo midi pokwa to koloba ko accompagner ba wazalendo na bitumba bazako sala pendant ce temps yo zali ko préparer na yebite soki je ne sais pas ce que je peux dire awa siko yo yambi ministre affaires étrangères avec honneur. Voilà les États-Unis d'Amérique azako senga ba bimisa ba troupe rwandaise na Congo. Gouverneur militaire au Kolobani, la même province où vous avez accueilli le ministre des Affaires étrangères rwandaise. C'est la même province où nous avons des camps de déplacés de guerre, où nous avons des déplacés de guerre aussi, au niveau des camps de Mugunga, où nous avons plusieurs victimes, plus de 12 millions de victimes, où nous avons des mamans qui sont violées, où nous avons des cas de violation des droits de l'homme, où nous avons des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, où nous avons les actes du terrorisme que les M23 bazako sala. Ça veut dire que même M. Nanga, s'il se rendrait au niveau de la ville martyre de Goma, le gouverneur militaire Shirimwami va l'accueillir avec honneur, comme il a accueilli le ministre des Affaires étrangères. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec cette politique de deux poids, deux mesures que le gouverneur militaire Shirimwami aille à réserver à la personne des ministres des Affaires étrangères rwandaises sur le sol congolais. Nous vous demandons, le gouverneur militaire, s'il y a moyen, pouvez aussi faire un communiqué afin de nous expliquer qu'est-ce qui vous a poussé de faire ça. Est-ce que le chef de l'État était d'accord avec vous? Est-ce que vous avez a échangé avec le chef de l'État afin de pouvoir appliquer cette politique? Chers compatriotes, Mikoleza Koya, ma troupe rwandaise, Bazako Lukandengenini, Babi Misabango na Congo, Donald Trump, les États-Unis, Basengi, ma troupe rwandaise, Babi Mana Congo, Bakende. Mais seulement, tout ces pellités dans le comportement, il y a gouverneur militaire, M. Shirimwami, Kokende Koyamba, un Rwandais, avec honneur, Bissot, tout ces pellités dans le Bitumba, Soreza Kobunda, Soki, Naba voisin, Tozo Bunda, moi, na ya voisin, aye, pas na Bissot. Moi na wana kuzwa ba mbata. Moi na wana toko beta ye ba mbata. Pa mbate bitumba ezali koinda. Ma kofi eza ko beta ma. Yo ko ye na ba loyengete osa ila biso soki bi pali soki loko ni. La diplomatie agissante du président Tshisekedi, le chef de l'État, à travers le ministre des Affaires étrangères, ainsi que le gouvernement de Simouina, les présidents de la République, les diplomates par excellence, celui qui a la maîtrise de la diplomatie congolaise,
il a dit non à l'accréditation de l'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo. Pourquoi? William Ruto, avant son élection, et une fois qu'il était élu comme président du Kenya, William Ruto a bandai ko accompagné. Donc naloba tozala ki na ba bonne relation. Ba relation diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Kenya ezala ki ya malam. À un certain moment donné, les deux chefs d'État, les deux homologues ba bandai ko solo la malam. Mais likamboye ko beba tango ba yambi na États-Unis. Et pas na Joe Biden, William Ruto a critiqué qui la politique de Tshisekedi. Et depuis ce moment-là, la relation entre deux chefs d'État est à l'issue malamte. Et critique au William Ruto à Salaki, ils ont là qui ça que William Ruto est en train de soutenir en coulisses les éléments du M23 et de soutenir M. Kagame. Et c'est comme ça que tout le peuple congolais va se pela qui t'en a à propos, il y a William Ruto. Qu'on est États-Unis, qu'on a photo na Joe Biden, et puis ça qui est ma vertige à l'objet biloba loba. Et au moment où nous sommes en train de vous dire, la relation diplomatique entre deux chefs d'État, entre deux États, et ça, le sous malamouté. Voilà. L'accréditation, il y a ambassade, ou alors il y a ambassadeur, il y a Rwanda, ils allaient remise en cause. Le président Tshisekedi a dit non à l'accréditation de l'ambassadeur du Kenya au niveau de la République démocratique du Congo. Parce que William Ruto n'est plus avec nous. Le président congolais a pensé qu'il est important que nous ne puissions pas accepter l'accréditation de l'ambassadeur du Kenya au niveau de la République démocratique du Congo. Parce que William Ruto est en train de soutenir M. Kagame. William Ruto est d'accord avec la violation des droits de l'homme. Que les éléments du M23 sont en train notamment de mettre sur le Congo. William Ruto est d'accord avec le pillage des ressources de la République démocratique du Congo. William Ruto est d'accord avec la surexploitation, notamment des matières premières ou des minéraux stratégiques par le M23 sur le sol congolais. William Ruto est tout à fait d'accord avec la politique des marionnettes que M. Kagame est en train de faire sur le sol congolais. William Ruto est d'accord et ne voit pas l'intérêt de soutenir la République démocratique du Congo, de combattre le M23. Il est important pour lui de soutenir son frère, qui est aussi un ilotique comme lui. Voilà pourquoi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit non avec l'accréditation de l'ambassadeur du Kenya sur le sol congolais. Et les compatriotes qui critiquent le chef de l'État, que voilà, le président ne devait pas faire ça. Je me demande, est-ce que réellement, nous avons la maîtrise sur les questions diplomatiques et politiques. Avant de se prononcer, en critiquant parfois à tort, naïvement les chefs de l'État, il est important aussi de faire des recherches, de mener des recherches, afin de comprendre pourquoi le chef de l'État a refusé l'accréditation de l'ambassadeur du Kenya au Congo. La plupart des gens ne savent pas le pourquoi. Mais je vais vous le dire, et je l'ai dit ici, que le président de la République n'était pas d'accord avec la sortie médiatique de M. William Ruto, le président kenyan, au niveau de New York, au niveau des États-Unis d'Amérique, après son accueil, après sa rencontre avec Joe Biden au niveau des États-Unis. William Ruto a tenu des propos qui a choqué la plupart des Congolais. Les propos de William Ruto n'avaient pas caressé les Congolais.
tous les Congolais n'étaient pas d'accord. Les compatriotes congolais n'étaient pas d'accord avec les propos de William Ruto sur la situation de l'insécurité dans l'Est République démocratique du Congo. Masque ABC, est-ce que je peux avancer? Est-ce que, chers compatriotes, je peux avancer avec l'analyse que je suis en train de faire? Au moment où le chef de l'État, Azako Luka, Tobongi Saba, relation à Bissot, les relations du bon voisinage, entre Bissot na Tanzanie, entre Bissot na Kenya, entre Bissot na Burundi, entre Bissot na Uganda, chef de l'État, ou taille kozala dernièrement, awa, na niveau ya Tanzanie, akei Burundi, auto za lobi lobi na Uganda, le président Braza eza lokola na loba eza lokola aéroport et pas na chef de l'État. Sassou aya ke pa na biso. Tozo ya mbaba chef d'État et pas na biso. C'est de la même manière le président pe alingi ke relation za la entre biso na Rwanda, relation za entre biso na Kenya. Mais moi relation ane za mala mouzate parce que bango bazali ko piller ba richesse na biso. Bango bazali ko boma. Ba Congolais pour bazo ba richesse wana bazo ko créer ba déstabilisation bazo créer ba désordre bazo ça la crime de guerre et crime contre l'humanité bazo violer droit de l'homme bazo violer ba principe ya droit de l'homme bazali ko violer ba principe ya intangibilité bazo ko violer ndenge mboka ko kambama yango moni chef de l'État a boy ko zwa accréditation ya ambassadeur il y a Kenya na niveau ya Congo. Est-ce que ezali décision ya madame chef de l'État azui cher abonné ya tango koki na tikeli bino la première bo pesa ba point de vue na bino. Mais ngai personnellement marabobo la na monie que le président sali madame et singeli peto kende na politique ya réciprocité. Vous nous donnez un coup, nous vous donnons même deux coups au même moment. Vous nous donnez deux coups, nous vous donnons quatre coups. Le président loba ki eke à la moindre escarmouche, voilà les conséquences de la déclaration du chef de l'État sur à la moindre escarmouche. Les gens pensent toujours que la moindre escarmouche, c'est lorsque le Rwanda va bombarder, je ne sais pas moi, la ville de Goma. Que lorsque le Rwanda va bombarder Bunagana, non. Lorsque le président parlait à la moindre escarmouche, c'est aussi de voir que tout ce qui va bouger en appuyant le Rwanda, nous allons répliquer. Et voilà M. William Ruto qui avait critiqué, qui avait appuyé. Il a critiqué d'abord la gouvernance de Kinshasa. Il a critiqué la gouvernance de Félix Tshisekedi. Et il a appuyé M. Kagame dans l'agression dans l'Est République démocratique du Congo. Et voilà là maintenant, le président de la République a refusé l'accréditation de l'ambassadeur du Kenya au niveau de la République démocratique du Congo. Là, c'est la conséquence de la moindre escarmouche, comme le président de la République l'avait dit. Tshisekedi n'était pas aussi bête en faisant cette déclaration. Beaucoup de personnes ont critiqué le chef de l'État après cette déclaration. Ont commencé à rappeler même au chef de l'État les accords qu'il avait signés avec le Rwanda. Mais voilà les conséquences de la moindre escarmouche commencent désormais à être appliquées. Et c'est maintenant le Kenya qui va perdre maintenant sa relation diplomatique avec la République démocratique du Congo. Son ambassadeur ne va plus mettre ses pieds ou fouler ses pieds sur le sol congolais. Masque ABC, est-ce que je peux avancer? Le chef de l'État est tout à fait d'accord que nous devons lutter contre les antivaleurs. Le président de la République est tout à fait d'accord que nous devons lutter contre les antivaleurs tels que le détournement, la corruption, le favoritisme, le tribalisme, le népotisme, l'oligarchie, la dictature, les arrestations arbitraires et consorts. Mais nous allons arriver à ce niveau comment? Et si, et seulement si, nous avons une bonne gouvernance judiciaire. Je parle de la bonne gouvernance judiciaire. Ça veut dire que la justice doit être réellement au service de la nation.
Et pour que la justice puisse être réellement au service de la nation, il faut que celui qui anime ou celui qui conduit ce ministère puisse être aussi un homme intègre, puisse être un homme de valeur, puisse être un homme pétru de talents mais également des intelligences. L'actuel ministre de justice qui a été critiqué par Nicolas Kazadi, mais l'excellence, l'argentier de la République n'avait pas critiqué le ministre de justice bêtement. J'entends un peu les gens parler sur les réseaux sociaux. J'entends un peu de tous bords. Les sorciers de tous bords. Ceux qui sont corrompus par les ennemis de la paix. Par les ennemis de développement. Par les gens qui ne veulent pas voir le Congo amorcer son développement sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique et presque dans tous les domaines. Non, Nicolas Kazadi a mal fait en citant le nom du chef de l'État lorsqu'il a fait sa sortie médiatique. Nicolas Kazadi mérite la prison. Nicolas Kazadi mérite d'être interpellé par la justice. Comment il va citer le nom du chef de l'État dans la bêtise de détournement et de corruption? C'est lui qui avait détourné l'argent de Lapadaire et des forages. Mais moi, je me pose toujours cette question. Est-ce que le chef de l'État n'est-il pas le garant du bon fonctionnement des institutions qu'on ne puisse pas citer son nom dans les affaires de la gestion de la République? Est-ce que le chef de l'État, il n'est pas le bon gestionnaire? Nicolas Kazali n'avait pas cité le nom du chef de l'État parce qu'il devait se moquer au chef de l'État. Nicolas Kazali a cité le nom du chef de l'État en remettant en cause la politique du renouvellement de la nouvelle classe politique. Parce que Constant Mutamba, il est comme un modèle de la nouvelle classe politique. Mais si c'est lui qui est comme une nouvelle figure dans la nouvelle classe politique et qui commence déjà avec les antivalets que nos aînés, que nous avons combattus hier, est-ce que le Congo a assuré son meilleur avenir? Le Congo n'a pas signé son meilleur avenir. Nicolas Kazadi n'a pas cité le nom du chef de l'État bêtement. Nicolas Kazadi avait cité le nom du chef de l'État. C'est au fait pour dénoncer les politiques obscures, les politiques, je peux dire, de ses détracteurs qui cherchaient à tout prix à les mettre à genoux. C'est comme ça qu'il avait cité le nom du chef de l'État. Le procès de 100 jours. Vital Kamerhe avait cité à plusieurs reprises le nom du coordonnateur du programme d'urgence. Nous le savons tous que c'est lui qui était le coordonnateur du projet des 100 jours ou du programme d'urgence du chef de l'État. Après son pouvoir, son élection de 2018-2019, c'était le président de la République qui coordonnait les activités des 100 jours. Mais lorsque Vital Kamerhe avait cité le nom du coordonnateur, là, il n'y avait pas de problème. Là, on n'a pas attaqué Vital Kamerhe. Non, Vital Kamerhe, c'est un bon parleur. Vital Kamerhe, il a la maîtrise, c'est un intellectuel. Mais comme c'est Nicolas Kazadi, alors là, c'est tout le monde maintenant qui sort. Même les sorciers des cimetières, même les esprits des eaux, même les démons de la troposphère, de la mésosphère, de la stratosphère, sont descendus juste pour aller tourner des émissions afin qu'on puisse combattre Nicolas Kazadi. Même les sorciers de tous bords sont venus afin de commencer à attaquer Nicolas Kazadi parce qu'il s'agit de Nicolas Kazadi. Non, à un certain moment donné, nous devons être sérieux. Nicolas Kazadi a cité le nom du chef de l'État parce qu'il avait compris qu'il était important que le nom du chef de l'État soit figuré. Les gens ont dit non. D'abord, Nicolas Kazadi a corrompu la justice. Voilà pourquoi il a été disculpé. Et sa disculpation n'est pas venue au hasard. Parce qu'il avait mis les paquets en jeu. Les procureurs près la cour de cassation firmaient Vondé, Azoakimoa Kanyaka. Les magistrats qui avaient les dossiers entre ses mains, qui faisait l'instruction, Balia Kimbongo.
Vous voyez comment se trouve maintenant la sorcellerie? Lorsqu'on a quitté Vital Kamerhe, personne n'a parlé que Vital Kamerhe avait cité le nom du chef de l'État bêtement. Il ne devait pas citer le nom du chef de l'État dans le procès des 100 jours. Et comme c'est Nicolas Kazadi, alors là maintenant, tous les démons des eaux, des cimetières, même les cimetières des États-Unis, tout le monde commence maintenant à attaquer Nicolas Kazadi. On commence même à réclamer que la justice soit faite parce que Nicolas Kazadi a cité le nom du chef de l'État. Mais les gens qui ont détourné l'argent de la PADER, les gens qui ont volé l'argent de la PADER, Nicolas n'avait que protéger les derniers publics. Nicolas n'a fait que protéger la caisse de l'État. Nicolas a éclairé, Nicolas a donné la lumière dans l'affaire de gestion de la PADER. Non, moi je pense que Nicolas a souffert comme ça. Nous savons que vous mettez beaucoup de moyens pour qu'on puisse aller diffamer, aller critiquer, discréditer la personnalité de Nicolas Kazadi. Mais nous devons savoir, comme Chancel Mbemba dit, la justice de Dieu, il y en a. Et cette justice va faire son travail. Moi, je vais demander à l'excellent Nicolas Kazadi de se calmer, de ne pas s'ouvrir tous ces brouhaha qui se passent sur les réseaux sociaux. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire. Je vais souhaiter un fructueux anniversaire à une personne. Permettez-moi, chers téléspectateurs, chers abonnés de Tango Koki. Même Jésus-Christ avait aussi ses frères. Même Marie, la mère de Jésus, avait aussi des enfants comme Jésus-Christ. Même Abraham, dans la Bible, avait aussi ses frères. Voilà pourquoi on dit les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Même Jésus-Christ avait aussi ses petits frères. Jacques, Jean étaient aussi les frères de Jésus-Christ. Est-ce que Marabobo l'a pu manquer aussi ses frères? Non. Je suis ici d'une famille modeste, d'une famille de branhamistes. Je suis éduqué par une éducation de branhamistes. Nous sommes grandis par cet évangile du message du temps de la fin. Mais je vais souhaiter de meilleurs jours, un joyeux anniversaire, un faraminé anniversaire à mon frère que j'appelle affectueusement Z Image, les grands photographes. Mon frère, que le Seigneur vous bénisse. Que ce jour de votre naissance soit une journée pleine de bonté, pleine de prospérité, que ce soit un début de bonheur. Si hier vous avez eu des problèmes financiers et que c'est à partir d'aujourd'hui, que le ciel soit favorable, que le seul puisse penser à vous, que l'ange de l'Éternel qui circule pour pouvoir bénir les familles dans le monde, que cet ange puisse penser à vous. Que vos activités poussent alors se prospérer. Je vais vous voir être un grand. Les grands photographes ZBD, Z Image, Zible Magbomuta, mon frère, que le Seigneur puisse vous bénir. Plein de bonheur, plein de prospérité. Allez de l'avant, soyez toujours errés comme vous l'avez été toujours. Que le nom, le Seigneur, le Dieu du prophète William Mario Branham puisse vous bénir. Vous êtes mon frère, je vous aime beaucoup et je vais toujours vous aimer comme un parent avec de l'amour, ils se sont aimés entre eux. Maska BC, est-ce que Nago Komanasuka? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Z-Image, joyeux anniversaire. Nzambe Pambo Lawe, Nzambe Pambo Lawe. Nzambe pambo la we manyongwanga. Nzambe pambo la we. Nzambe pambo la we. Nzambe nyawe ba opportunité. Lopoli namu kekobo. Kwa moto namu topaliwe boula. Z image, allez de l'avant. Merci beaucoup.
Et je vous aime beaucoup, téléspectateurs de Tango Koki. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un commentaire. Donnez-nous vos commentaires. Si ce sont des critiques, faites ça. Moi, j'aime les gens qui me critiquent. Marabobo, là, je suis de la nouvelle génération qui aime les gens qui me critiquent. Lorsque vous me critiquez, vous me donnez encore l'opportunité d'améliorer. Vous me montrez les chemins par lesquels je dois suivre. Critiquer, proposer, donnez-nous des critiques, mais que ce soit des critiques constructives. Pas des insultes, pas d'injures. Kolo Amonabino, de Tokutani, Mekolo Oizakoya, Kolo Apambolande Goulangaya, moi c'est ma benga Kala, Christmon de ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup et que le Seigneur puisse être avec vous, que le Seigneur puisse bénir votre famille, votre époux. Et je vous aime beaucoup. À la prochaine. DJ Stéphane, Bala Mwangi, Congo ya Lumumba, Congo, la Fati Beton, Tangwe Koki, yo yo, Tangwango yango yo, Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane.